Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment gérer des formulaires HTML en utilisant JavaScript. Déjà, dans cette playlist, si vous remarquez, il y a un exercice qui traite le même sujet. Donc, on ne va pas faire la même chose. Dans cet exercice, nous allons apporter des modifications, des améliorations par rapport à l'exercice précédent. Juste, je vous donne une idée sur l'objectif de cet exercice. Dans cet exercice, nous allons utiliser VS Code. Dans l'autre exercice, on a utilisé Sublime. On va utiliser les fonctions JavaScript qui accèdent au DOM. Nous allons utiliser les expressions regex en JavaScript, les événements en JavaScript et la variable local storage. Donc, on commence notre exercice. Voilà, je vous présente l'exercice. L'exercice, il consiste à créer un site web qui contient deux pages HTML, une page formulaire composée de deux champs texte, nom et moyenne d'un étudiant, et une page response.html qui va recevoir les informations de la page formulaire, puis indique si l'étudiant réussit ou échoue, ainsi sa mention de réussite. La vérification des données de formulaire, la détermination de la réussite, se fait via JavaScript. Donc, si on récapitule, on va faire une page formulaire qui contient deux champs texte, nom et moyenne, et une autre page res qui va recevoir les informations, où elle va déterminer si l'étudiant réussit ou pas. S'il réussit, on va déterminer aussi sa mention. Passons maintenant à notre éditeur. Donc, on va utiliser notre éditeur. J'ai installé VS Code. Voilà, c'est VS Code. D'accord? Et l'installation. J'ai installé VS Code et en plus, donc lors de l'installation, on doit passer aux extensions et installer les extensions utiles pour faire de la créer le formulaire ou utiliser JavaScript et ainsi de suite. Donc ici, juste, je vous donne une idée sur les différentes extensions que j'ai installées sur VS Code. Donc j'ai installé celle-là, Flash Language Pack, HTML CSS Support, HTML Format, CSS JavaScript E6 Code Snippets ou Live Server. Si vous voulez faire l'exécution au fur et à mesure. Voilà, qu'est-ce que j'ai installé comme extension. On voit bien, donc, French Language, HTML CSS Support, HTML Format, JavaScript ES6 ou Live Server. Mais maintenant, je vais passer à insérer mon dossier de travail. Donc, juste, je vais faire comme ça. J'ai créé un dossier sur mon bureau qui s'appelle site UCI 1. Je vais le transporter, voilà, je vais l'ouvrir sur le navigateur avec cette manière. Je répète, je prends le dossier et je le tire vers l'éditeur. J'attends un peu. Je répète. Et voilà, mon dossier, il est ouvert sur l'éditeur. Donc, pour le moment, mon dossier, il est vide. Donc, j'ai utilisé deux options, Explorator ou les extensions, si je veux ajouter des extensions à l'éditeur. Donc, je vais passer à Explorator. Pour le moment, j'ai un dossier qui est vide. Donc, je vais faire quoi? Je vais créer un dossier qui s'appelle JavaScript. Et puis, je vais créer deux pages, les pages demandées. Donc un formulaire.html. Elle est la première. La deuxième, res.html. Voilà. Et puis sous JavaScript, sous le dossier, je vais créer un fichier
que je vais le nommer code, code.js. C'est là où je vais mettre le code JavaScript. Donc, si vous remarquez bien, hein, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Donc, deux pages HTML, un dossier JavaScript dans laquelle j'ai créé un fichier script. Mais maintenant, je vais retourner à formulaire.html pour générer le code minimal en HTML. Je vais faire point d'exclamation, entrée, et vous voyez bien que le code HTML minimal, je vais enlever ces deux, j'ai pas besoin de ces deux instructions. Et puis je vais faire le lien entre la page HTML et JavaScript et le code JS qui contient le JavaScript. La meilleure façon à faire, je viens ici avant la fermeture de body, je vais faire script. Vous voyez bien qu'il m'aide. Hein? Donc script src, le code de le script de JavaScript, il existe dans le dossier JavaScript / code.js et j'enregistre CTRL S. Comme ça, j'ai fait la liaison entre formulaire et le script code.js et le fichier code.js. Je vais faire de même pour res. Donc, je vais faire point d'exclamation pour générer le code HTML minimal. Je vais enlever ce qui n'est pas utile pour moi. Et puis, de la même, je vais faire script. Donc, src. Et puis, je vais indiquer dans quel fichier il existe JavaScript. Donc, il existe dans le fichier code.js sous le dossier JavaScript. CTRL S pour enregistrer. Voilà. J'ai préparé toutes mes pages. J'ai préparé Zeda, mon éditeur. CTRL S. Voilà, je peux venir ici et faire enregistrer tout. Hein. Mais normalement, tout est enregistré. On va créer maintenant notre formulaire dans la page formulaire.html. Donc, pour créer le formulaire, j'écris form. Va me donner la méthode d'envoi. Je vais utiliser la méthode post. Donc ici le formulaire, il va envoyer ses informations à res.html. Pour la méthode d'envoi et la post, dans le formulaire je vais ajouter deux champs, et donc par souci de mise en forme, une bonne mise en forme, je vais utiliser la balise P. Je vais dire introduire votre nom et puis j'ajoute le champ input texte et puis je vais le marquer par un ID qui ça va être NMA. Et le champ et le texte associé, c'est bon, c'est créé. Je passe au deuxième. Donc P, introduire votre moyenne et puis j'ajoute le champ input et je vais le marquer par un ID et les hauts mode. Bien. Je vais ajouter aussi un paragraphe vide. Donc, juste, il est marqué par un ID qui va être error. ER, E2R. L pour dire error. Après, on va terminer par le bouton de validation. Ça va être un input. Input. Submit, du type submit, value OK. Le nouveau maintenant, je vais ajouter un événement.
je vais dire on clique. Lorsque je clique sur le bouton, la fonction valide, elle va s'exécuter. Et donc la fonction valide, elle n'existe pas. Et je vais la créer moi-même, je vais la créer dans code.js. Donc comment je vais faire? Lorsque je clique sur le bouton, la fonction valide, elle s'exécute. Maintenant, je vais la programmer. Je vais la programmer où? Dans le script JavaScript. Le script JavaScript, ça veut dire code.js. Ça veut dire le fichier qui va contenir mon script JavaScript. Et donc, comment je vais faire? Je vais dire, pour créer une fonction, j'utilise le terme clé function. La fonction, elle s'appelle valide. J'ouvre accolade. Je vais faire alert. Hello. Point virgule. B. C'est bon. J'enregistre CTRL S. Ici, j'enregistre CTRL S. Et puis, je vais passer à mon dossier. Et puis, j'ouvre la page formulaire. Lorsque je clique sur OK, vous voyez bien l'alerte qui s'affiche. C'est dû à l'exécution de la fonction valide. OK. Vous voyez bien qu'on a passé à la page res.html. Maintenant, on va programmer comme il faut valide pour qu'elle fait la vérification par les deux champs. Si les deux champs ils sont bien saisis, donc on va envoyer l'information à res.html. Maintenant, on va programmer notre méthode valide. Au fait, JavaScript, il voit le code HTML, ce code HTML, comme un arbre. Il le voit comme ça, comme un arbre. Donc, document, root, head, body, et le contenu de body, le contenu de head. Donc, JavaScript, il voit la page HTML comme un arbre, et les têtes de document, et chaque balise est un nœud dans cet arbre. Et bien sûr, avec JavaScript, on peut accéder à ces éléments. Donc, on peut accéder, on peut les changer, on peut changer leur style, on peut les supprimer, on peut ajouter des éléments dans la page HTML via JavaScript. Donc, ici, si je retourne, donc, le page HTML, et là, je veux récupérer ce input, celui-là, et ce P. Donc, je vais les récupérer à partir de JavaScript, et à partir de là, je vais tester leur contenu, et je vais changer le contenu de P suivant les fautes que peut l'internaute commettre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour récupérer cet élément, donc comment je vais faire? Je vais déclarer une variable. Je vais faire let name égale document.query select. Et le premier élément que je veux le récupérer, il est identifié par un ID qui s'appelle NM. Donc, je viens ici. Je mets dièse nm. Voilà. Donc, deuxième élément, c'est la moyenne. Et de même, document.query select. Et puis, mon deuxième élément que je veux récupérer, c'est celui-là, où il est identifié par moi. Donc, je viens ici, je mets dièse moi. Le troisième, maintenant, let error. Je vais déclarer une troisième variable. Et je vais récupérer l'élément, cet élément. Et donc, de la même, je vais faire un copier-coller.
Et cet élément, il est identifié par R. Donc, je vais mettre R. Une fois que j'ai récupéré les éléments, je vais utiliser maintenant les expressions irrégulières. Mais juste, je vais passer à mon dossier, le dossier du site, pour vous expliquer un peu les expressions régulières. Donc, voilà, donc, mais et je veux que l'internaute il tape sur dans cette zone des caractères. Je veux pas qu'il manière pour moi s'il me tape des valeurs numériques. Voilà, des caractères qui ne sont pas des lettres. Donc tout ça, c'est une erreur pour moi. Donc je vais fixer un pattern. Je vais fixer une expression régulière qui représente le nom. Comment je vais faire? Je vais venir ici, je vais déclarer une autre variable que je vais appeler pattern n. Pattern n. C'est une expression régulière, donc je vais mettre slash, slash, point virgule. Généralement, si on a une chaîne constante, on le met entre quotes ou là, entre guillemets. Si on a une expression régulière, on le met entre slash, slash, slash. Maintenant, je vais dire que le pattern pour le nom, je veux qu'il soit, qu'il varie les lettres qui vont être tapées. Elle varie entre A petit Z ou grand A grand Z. Et je veux que l'utilisateur il saisit au moins 3 caractères comme nom et grand maximum 40 caractères. Et là, le pattern pour le nom. Lettre. Maintenant, je vais fixer un pattern pour la moyenne. Je vais dire de même, c'est une expression régulière, donc je vais mettre les slash. Je vais dire que ce pattern, pour la moyenne, je veux voir les notes comme ça, 14,50 par exemple. C'est le format que je veux avoir. Et donc, je commence par le fait de dire chapeau, ça veut dire que je commence par et je termine par. Par quoi je commence? Je vais commencer par dire un caractère qui varie entre 0 et 9. Normalement, il va écrire 14. 14, ça veut dire deux chiffres. Elle a 4 ou elle a 2. Donc, il a la moyenne. Donc, ça veut dire que il varie entre 1 ou 2. Il peut me dire 9, me donner 9 comme première note. Alors que c'est un seul cas, c'est un seul chiffre. Ou elle a 14, deux chiffres. Et puis, c'est une moyenne. Ça veut dire il existe le point. Donc, je vais mettre point ici. Mais si je mets point directement comme ça, il va être interprété. Ça veut dire 0 ou 1 caractère. Et là, je veux avoir le caractère point. Et donc, pour ça, je vais faire anti-slash. Okay, je vais afficher. Je veux avoir le caractère point. Je ne vais pas l'interpréter. Après, donc je peux faire HKZ de 0, 9. Je vais rectifier. 1, 2 avec des accolades. Donc, on est 0, 9. 1, 2. Voilà. Donc, je peux écrire B. On est anti-slash point. Ici, je vais dire, je peux dire des caractères numériques. Et là, je peux faire la chose suivante. Algrd. Pour dire, je vais mettre des caractères numériques. Donc, je vous explique. Donc, ici, mon formulaire, il va prendre des valeurs comme ça. Donc, 14,5, voilà, 4,
4,5. Donc la première partie, elle est composée des valeurs numériques. Le minimum, il me met un seul chiffre. Maximum, il met deux chiffres pour la première partie de nombre. Et puis, on va trouver le point. Et puis, on va trouver Z, 10 chiffres, qui varient entre 1 et 2. Après le virgule, on peut trouver un seul chiffre. Voilà, on peut trouver deux chiffres grand maximum. Voilà, j'ai fixé les patterns. Maintenant, je vais commencer à faire les tests. Je vais dire quoi? If, je vois l'accolade. Et là, je vais dire pattern. Le pattern fixé. Point test. Donc, je mets le nom. Nom point value. Donc, je vous explique. Nom point value, c'est ce que l'utilisateur il va taper ici. Donc, header c'est nom. Ce input, il s'appelle nom. Il est récupéré dans JavaScript. Sous le nom, sous le libellé nom. Donc ce input, il s'appelle nom JavaScript. L'utilisateur, il va taper des informations. Pour les récupérer, je dois utiliser la propriété value. Donc nom.value. B, le pattern intérêt à Hawa. Je vais tester, est-ce que le contenu saisi par l'utilisateur, est-ce qu'il respecte le pattern ou non? S'il ne respecte pas le pattern, ça veut dire que il n'a pas écrit comme le pattern exactement. Donc, test, elle retourne false. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire event.parent.prevent. Default. Donc ici je vais arrêter l'envoi des informations vers res.html puisque on sait bien que le formulaire il envoie ces informations à res.html via la méthode post. Donc cette fonction elle va arrêter l'envoi. Le formulaire il sera figé. La page formulaire elle sera figée et elle ne va pas envoyer ces informations à res.html. Puis, je vais faire quoi? Je sais que j'ai récupéré ce P via cette variable. Je vais dire error.inner. Je vais écrire dans ce P le texte suivant. Non, invalid. Et je vais faire quoi aussi? Je vais donner une coloration à ce texte écrit dans le paragraphe ayant le ID R. Donc, point color égale red. Donc, CTRL S. Donc, on va voir le résultat sur notre page. Donc ici, je vais essayer d'écrire des chiffres. Mais on est CTRL R avant tout. Et puis je vais écrire des chiffres. 1, 2, 3. OK. Donc on est, je vais rectifier. Donc le paragraphe, il est... désigné par un ID, donc je dois mettre dièse avant le paragraphe. Là où l'IN, je vais écrire dans son contenu. Donc, je vais faire dièse. CTRL S. Je répète maintenant. CTRL R. Je vais mettre des valeurs numériques. Je vais voir le résultat. OK. Et vous voyez, il y a un nom invalide. Si je mets Z, on a trois caractères grand au minimum. Si je fais AB, kif, ABC, ça marche. Et donc, on y,
ça va, on a respecté le pattern nom et le résultat il est envoyé à response.html. De même, je vais dire c'est un nom.value égal, j'invite, et puis je vais tester encore une fois, faire une erreur, ok, et voilà, on a terminé avec le test avec le nom. Maintenant on va faire le même test avec salaire, avec moyenne, avec la moyenne. Donc je vais copier-coller. Et ici, au lieu que je vais faire non, ça va être moyenne, point value. Point value, runny pattern, pattern moyenne. Donc je vais copier, coller. Voilà, donc je vais dire... moyenne point value et on je vais dire moyenne invalide Ctrl S et on va tester sur notre page. Maintenant je vais donner le bon nom, je veux donner 10 par exemple comme moyenne, ou le pattern je veux avoir 10 points et deux chiffres après le verbe. Donc je vais faire OK. Moyenne invalide. Si je mets 10 points, moyenne invalide. Si je mets 10 points 200, moyenne invalide. Si je mets 10 points 20, ça marche. Comme ça, on a terminé. Mais pas encore. Donc ici, ça va. On a testé sur la moyenne. Maintenant, la moyenne, elle varie entre 0 et 20. Donc Zeda, je dois faire le test. Donc on y if else if. If. Allez, je vais laisser if encore. Je vais entre. Else if pour celui-là. Donc if je vais utiliser parse float, la fonction parse float. Parse float. Donc on y va prendre. Là, maintenant, je sais bien, else if, je sais bien que la moyenne saisie dans la zone, c'est une valeur numérique. Qu'est-ce que je vais faire avec parse float? Je vais la convertir en flottant. Si cette moyenne, elle est inférieure à 0, ou elle est supérieure à 20. Donc l'utilisateur, il n'a pas respecté l'intervalle de la moyenne. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout ça. Et je vais dire, donc, moyenne hors intervalle. Donc, et voilà, la coloration est rette. Donc, je vais faire le test ici. Je retourne. Ctrl R. Ali. Donc, je vais mettre 40.5
OK. C'est, excusez-moi, supérieur à 20. Je répète. 40,5. OK, moyenne hors intervalle. Donc, la moyenne varie entre 0 et 20. Si je mets moins 1, si je mets 10,50, OK, ça marche. Voilà, comme ça, on a terminé le test sur la saisie. Et donc, on va, normalement, dans cette partie else, je sais bien que l'utilisateur m'a saisi les bonnes informations. Et là, je vais les récupérer et l'envoyer à RESA. Donc, une fois qu'on a fait les tests sur, sur le nom et sur la moyenne, juste ici, j'ai ajouté deux autres instructions. Donc, si le nom, si le nom est... donc, si la moyenne elle est vide, si la moyenne n'est pas respectée, le pattern n'est pas respecté que je veux, donc... Si le pattern n'est pas respecté, donc je vais aider à effacer le contenu des inputs. Donc je fais nom.value égale à chaîne vide, moyenne.value égale à chaîne vide. De même ici pour le nom. S'il ne me donne pas le bon nom, qui ne respecte pas ce pattern, donc je vais annuler ce qu'il a saisi dans le nom et dans la moyenne. De même, donc je vais faire nom. Value. Ici, je suis pas optimal le code, donc on peut penser à faire d'autres fonctions, une fonction qui qui répète tout ce traitement. Mais juste, je veux pas compliquer les choses. Donc, tout le monde, vous pouvez faire une fonction et vous tapez tout ce code et vous appelez la fonction dans le if value. Voilà, et l'ajout pour le test de saisie. Maintenant, dans la partie else, je suppose que tout est bon. L'internaute, il a saisi le bon nom, il a saisi la bonne moyenne, et je vais les récupérer. Mais comment je vais les récupérer? Je travaille sur le web statique. Donc, j'ai pas de base de données, j'ai pas de fichier où je vais enregistrer, donc j'ai rien. Le seul moyen, je peux utiliser une variable qui existe avec le navigateur, qui s'appelle local storage. Donc local storage, c'est un tableau vide vierge où je vais créer des cases dans ce tableau. Donc comment je vais créer des cases? Je vais écrire local storage, puis set item, puis je vais donner le nom de la case. Ma case, elle s'appelle name, elle prend comme valeur nom point value. Donc je vais mettre je vais mettre le nom saisi par l'utilisateur dans la case name de local storage, et puis donc je vais appeler average. Si j'ai choisi comme ça, le choix des noms des cases, il est comme ça. C'est un choix pour moi. Vous pouvez choisir autre chose. Donc, running moyenne point value. J'enregistre. Comme ça, j'ai enregistré, j'ai pris la variable de navigateur, j'ai la divisé en deux cases. La première case s'appelle name, elle contient ce que l'utilisateur il a saisi dans l'input comme nom. La deuxième case, elle s'appelle average, où elle contient la moyenne saisi par l'utilisateur. Sauf que ici, je sais bien que j'ai pris la forme numérique. C'est une chaîne numérique. Donc, juste, je vais la convertir vers un float en utilisant la fonction parseFloat. ParseFloat, elle va prendre la chaîne numérique ou elle va le convertir en un flottant. J'enregistre, c'est bon. Je passe maintenant à RES.
Res, il est aussi, la page res.html, elle est aussi connectée à code.js. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter ici? Je vais ajouter un paragraphe. Je vais l'identifier par égal. Au moins, je vais dire obj, pour dire objectif. Et dans la partie corps, je vais ajouter un événement, une fonction de gestion d'événements. Il y a on load. On load, ça veut dire lorsque la page elle se charge, une fonction qui s'appelle décision qui va s'exécuter. Donc lorsque la page res.html elle se charge, décision elle s'exécute. J'enregistre, c'est bon. Maintenant, puisque ma page elle est connectée à code.js, je vais venir à code.js pour programmer la fonction decision. Je peux la programmer après. Bon, j'ai déjà une fonction, elle est here valide. Je peux la programmer après valide ou avant valide. Ça sera fait avant valide. Juste, je veux qu'elle soit claire. Souci de clarté. Mais vous pouvez la programmer après valide. L'autre, ce n'est pas important. Et je vais faire function. Et puis, je vais copier-coller décision. Donc, j'oublie beaucoup. Hein. Décision. Je relacalade. Et je fais. B. La première chose, je vais déclarer une variable que je vais l'appeler résultat. Et dans résultat, je vais récupérer ce paragraphe. Donc, pour récupérer le paragraphe, je vais utiliser la fonction JavaScript document.querySelect. Et puis, le paragraphe que je veux, le composant HTML que je veux le récupérer, il est identifié par dièse-objet. Voilà. Ctrl S. Donc, normalement, c'est bon. On peut faire une alerte pour vérifier est-ce que c'est bon, est-ce que on a pu récupérer comme il faut l'objet HTML ou non. Ctrl S. Et je vais passer à document. Ctrl R. Donc, je vais mettre les bonnes valeurs. OK. Et voilà, on a pu récupérer le paragraphe. B. Donc, je vais supprimer celui-là. Maintenant, je vais faire un if. Avant de lancer dans l'utilisation de local storage, je dois vérifier est-ce que local storage elle est bien remplie, elle est bien, elle contient des informations. Donc, il faut tester qu'elle contient des informations. Donc, pour faire ça, je vais faire if local storage.get item et name. Si la case name, elle existe, elle contient des informations. Et local storage. Point get item average. Dans ce cas, je vais faire quoi? Alerte. Ok, dis-moi, on fait les tests avant. Donc j'enregistre et je retourne à ma page. Ctrl R, je mets les bonnes valeurs. Dis-moi ces valeurs là. Ok, et c'est bon. Avec ce OK, ça veut dire que local storage il contient ces deux cases et elles sont bien remplies. B, je vais enlever tout ça. Bah, je vais dire if local storage, c'est la case qui contient la moyenne,
si le contenu de la classe moyenne il est inférieur à 10, kif kif, je vais faire alerte, ok, dis-moi pour faire les tests, j'enregistre, je retourne, CTRL A pour rafraîchir la page. Ok, c'est bon, je suis dans le bon sens. Donc ici, maintenant, on va écrire dans le paragraphe. Dans ce paragraphe, récupérer dans décision. Donc, pour écrire dans le paragraphe, je vais écrire résultat, puisque c'est celui-là qui représente le paragraphe. Récupérer menres.html égale résultat.inner. HTML égale et l'étudiant. Donc, pour afficher l'apostrophe, l'étudiant. L'étudiant. Puis, je vais afficher son nom. Plus. A échoué avec une moyenne et puis plus et je vais afficher la moyenne. Vous voyez comment je concatine message variable. Donc juste 2 minutes de zoom pour voir qu'est-ce que j'ai fait exactement. Voilà, donc, et là, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Donc, donc, vous voyez bien le message, à l'étudiant, plus local storage, get item non, a échoué, plus local storage, get item avril. Et puis, au résultat, je vais changer... Ce paragraphe, je vais changer son style. Donc, en faisant style, point, color. Donc, ici, puisqu'il a échoué, je vais mettre red. Et puis, résultat, point, style, point, font. Size égale 30 pixels et résultat point style point font weight font weight égale bold. Donc, si l'étudiant, il a une moyenne inférieure à 10, alors qu'est-ce qu'on va afficher? Ou alors, qu'est-ce qu'on va appliquer comme mise en forme? On teste ce qu'on a fait. Je retourne. Donc, CTRL-R. Donc, je mets le nom. Je mets la moyenne. Ok, l'étudiant AA a échoué avec une moyenne 8,5. Très bien. Je passe maintenant. Donc, else if. Maintenant, si la moyenne, elle est inférieure à 14 maintenant. Donc, juste, je vais faire trois tests. Vous pouvez faire autant de tests. Donc, inférieur à 14. Donc, je vais prendre tout ça. De même, hein, vous pouvez faire une fonction qui fait tout ça. Et là, par souci de simplifier les choses, je ne vais pas faire des fonctions. Donc, déjà, la vidéo, ça va être
va être très longue. Manière, je vais pas compliquer les choses un peu plus. Donc je vais faire A réussi avec A réussi avec une moyenne. Voilà, et puis je vais avec une moyenne qu'elle est, et puis je vais ajouter et mention assez bien. Donc là, donc je vais diminuer un peu le zoom pour voir comment j'ai écrit le message. Donc dima, entre le message et la variable, j'utilise le plus. Ici, la couleur, ça va être orange. Je vais laisser la même taille pour l'écriture et le style là. J'enregistre, je retourne vers CTRL-R. AA avec 12, 12,5. On va voir. Je vais voir c'est quoi le problème exactement. Bon, c'est bon maintenant. C'était un accolade de plus. J'ai rectifié les choses. Donc, on est. Donc, j'ai rectifié. Il est pour le grand if. Il est pour le else if. Il est pour la fonction. Donc, j'enregistre et je passe pour voir le résultat. Donc, CTRL-R. Je vais faire A. 12,5. Ok, et vous voyez bien le résultat. Maintenant, ce que nous reste, donc ce que nous reste, c'est else. Ça veut dire que c'est supérieur à 14. Et je vais couper tout ça. Et aussi ici je vais faire green a réussi avec une moyenne. Je souligne, je vais changer la mention. CTRL S. Je retourne ici. CTRL R. Je vais prendre 16, 16,5 comme une moyenne. Ok. Et vous voyez bien que c'est écrit en vert. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de ce tutoriel. J'espère bien que tout est clair et à la prochaine.